Salut à tous et bienvenue pour ce grand débrief là de ce troisième tour. On est avec Martin du Journal du Golf et on est avec Greg, Grégory Avray. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. On a vibré hein, toute cette journée. Greg, toi tu es dans ton salon, tu as regardé ça avec passion comme on imagine. Avec passion, bah ouais, en famille, on a regardé ce troisième tour et on était... on va en parler, mais bien halluciné de voir ce Dustin maîtriser une partition. On te sent limite abasourdi là. Nous aussi, on est un peu abasourdi parce que là, c'est un peu. On va pas dire que c'est plié, mais c'est un peu. C'est un bon coup de massue quand même. Non, on peut pas dire ça. Il reste un tour important. Par le passé, il a montré que. Il a pu être fébrile à ce niveau-là. Et puis, il y a quand même tout un tas de joueurs qui ont montré de très belles choses aujourd'hui. Et puis, 18 trous à Augusta, d'autant plus, c'est très long. Donc, il va encore s'en passer. Mais bon, clairement, il a fait du mal à tout le monde aujourd'hui. Ouais. Ouais, surtout qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est le numéro 1 mondial, Dustin Johnson. Il a clairement marqué de son empreinte pour l'instant ce Masters. Martin, c'est ce qui est hallucinant, c'était de voir ce total maîtrise de Dustin Johnson. C'est exactement ça. Promenade de santé, tu te promènes jamais vraiment les mains dans les poches à Augusta, surtout pendant le Masters. Hein, mais ouais, c'est la manière. C'est déjà ce démarrage, évidemment, quand tu veux réaliser un gros moving day un samedi au Masters, t'as intérêt à enchaîner les 5-6 premiers trous vraiment pied au plancher. C'est exactement ce qu'il a fait, en particulier. Steagle au 2 avec ce coup de ferme alors qu'il y a blam qui a planté le piquet donné voilà et profité évidemment des conditions un peu particulières de cette année. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais voilà c'était impressionnant évidemment ce birdie derrière qui enchaîne ce gros putt au 4 direct donc là on le retrouve voilà avec moins 4 après 5 trous pardon. Donc voilà les choses étaient déjà bien amenées pour lui et il a enchaîné d'une façon avec une espèce de douce maîtrise, de puissance maîtrisée. Moi, la stat que je vais retenir de ce premier tour, vous me direz si je me gourre ou pas, c'est sa stat de driving. Évidemment, on dit que voilà, c'est quelqu'un qui tape très fort, c'est un gros bombardier. Mais il a pris 100% de fairway. Il n'a pas raté une mise en jeu à Augusta. C'est encore plus important à Augusta de ne pas louper ses mises en jeu et d'être sur la piste. Quoi. C'est un peu ce que j'ai demandé à Greg qui, lui, l'a joué ce parcours dans les conditions du Masters, même si moi aussi je l'ai joué, mais pas du tout dans les conditions du Masters. À quel point c'est prépondérant de prendre un maximum de fairway et donc évidemment de se donner les meilleures chances de choper les greens derrière. Quoi. Ouais, Greg, on le rappelle, c'était en 2011 hein, que tu as joué le Masters. Ouais, 2011. Bon, cette performance, elle est évidemment extrêmement impressionnante, et ça sur n'importe quel parcours, hein, que ce soit du PGA Tour, du Tour européen. Mais pour deux raisons que je trouve encore plus impressionnantes. La première, c'est qu'il lâche tous ses coups. C'est pas comme s'il voulait placer des. On sait que c'est l'un des joueurs les plus puissants du monde. Il fait définitivement partie des 3-4. Mec extrêmement performant qui tape le plus fort. Donc ça serait la première chose. C'est pas du tout un placeur de balle. La deuxième chose, c'est qu'il tape en fade. Et on sait qu'à Augusta, il y a quand même beaucoup de dogleg et de trous qui appellent le draw. Donc il prend des lignes très risquées puisqu'il est obligé de sortir au bord, vraiment au bord des arbres, voire par-dessus. Parfois au-dessus des arbres, comme le 9, par exemple, et la balle est fuyante et va trouver le fairway, qui en général, les fairways sont plutôt penchés de gauche vers la droite. Donc c'est d'autant plus difficile de prendre les fairways parce que le joueur qui, lui, va jouer en draw va avoir tendance à avoir un fairway plus généreux.
Donc, pour ces deux raisons-là, choper 14 fairways dans cette journée, c'est absolument dingue. Ouais. Enfin, Greg, aujourd'hui, Dustin Johnson, on avait l'impression qu'il savait tout faire, quoi. C'était tout ce qu'on lui proposait en challenge, il le faisait, c'était facile, quoi. Ouais, exactement. Et puis, au 10, on a vu un drive qu'il a tapé en draw. Alors là où tout le monde tape des bois 3, lui, il a sorti le drive, il a tapé un gros draw. Un coup encore parfait. Là, c'est sûr qu'il est. De toute façon, il. Je crois que son deuxième coup du 15 aussi, où il s'est mis un peu à gauche. Le coup du 15, exactement. Évidemment, qu'il s'est bien manié le draw, il n'y a aucun souci. Et puis, quand on sait la forme dans laquelle il est, je crois que sur les 6 ou 7 derniers tournois, le pire qu'il ait fait, c'est 6e, en gagnant la FedEx. Clairement, c'est un joueur extrêmement en forme. Il y avait un peu cette bataille avec Justin Thomas pour le joueur de l'année. Ça se vérifie encore à Augusta, puisqu'ils sont tous les deux dans le coup, puisqu'il ne va pas falloir oublier Justin Thomas, bien sûr. Mais c'est définitivement le tournoi qui montre d'autant plus cette domination de ces deux joueurs aujourd'hui dans le golf moderne. On voit actuellement, juste pour préciser à ceux qui regardent, des images de Dustin Johnson, c'était au Saudi Open. Hein, ouais, Martin, c'était en début d'année. Il y a un truc qui m'a totalement fasciné. Ça, j'aimerais bien aussi avoir évidemment l'avis de Greg en tant que de grand, grand spécialiste et joueur de haut niveau. C'est la capacité de Dustin Johnson en particulier, j'aurais envie de dire presque comme tous les leaders de ce Masters-là, mais lui en particulier, à maîtriser le spin qui met à la balle. Et on a remarqué que cette année, les greens sont beaucoup plus mous qu'habituellement, prennent énormément d'effets. Et lui, on a la sensation qu'il parvient à gérer merveilleusement bien, quels que soient les coups, et en particulier évidemment sur ses coups de wedge, ou les coups avec des clubs relativement ouverts, le spin qui met à la balle. Et donc, on a l'impression qu'il dépose, mais alors nickel tous ses coups. Et comment tu juges ça, et comment il arrive à faire ça, Dustin Johnson? Je trouve qu'on aimerait bien arriver à le faire aussi. J'y arrive moi des fois, non, je déconne. Non, mais je trouve que de tous ceux qui tapent très très fort la balle, DJ, pour moi, est celui qui a le rythme le plus fluide. Et quand on veut contrôler du spin, quand on veut contrôler une balle à ce niveau-là et justement pas trop lui donner de backspin lorsque les greens sont humides et mous comme cette année à Augusta, il faut justement taper en rythme. Parfois, peut-être prendre un club de plus pour déposer la balle, avoir un loft du coup un peu plus fermé et une vitesse au moment de la pack moins importante, ce qui fait que la balle va moins spinner. Et c'est vrai qu'il le maîtrise particulièrement bien. On parle évidemment de tous ses drives qu'il met en très bonne position, mais tout ce qu'il fait évidemment pour claquer un moins 7 aussi facilement comme il a fait aujourd'hui à Augusta, il n'y a pas que le driving qui a été bon. On peut parler aussi de tous ses putts en descente, et notamment celui du 15 qu'il a réalisé magnifiquement, parce qu'on sait que ça va très très vite à cet endroit-là. C'est un joueur de toucher, et donc quand il ne veut pas mettre de spin parce qu'il sait, d'ailleurs il en a l'habitude, hein, il a l'habitude de gérer ses problèmes de spin, puisqu'il a beaucoup de wedge à taper, beaucoup de neuf à taper et une énorme vitesse au moment de l'impact, donc beaucoup de spin, il crée énormément de spin, et ça c'est vrai qu'il le maîtrise parfaitement, et cette semaine c'est une clé, ça c'est clair. Ouais, et justement, là, on en parlait, hein, Dustin Johnson, qui du coup est en train de battre plein de records. Hein. Là, il a déjà battu le record de Spieth sur 54 trous, si je ne m'abuse. C'est probable. Tu me mets une colle, mais alors redoutable. Je n'ai pas regardé après 54 trous si c'était moins 15. Mais il me semble que c'était moins 15, donc là, il est moins 16, donc il le battrait. Il y a un record qui risque fortement de tomber vu les conditions de cette année, vu l'état de forme de DJ en particulier. C'est le fameux moins 18 de Woods et de Spieth, donc de Woods en 97 et de Spieth en 2015, qui est de moins 18 total. Personne n'a jamais été plus bas que moins 19 total au cours du Masters, dans le cours du jeu. Il y a moins 19 qui a été réalisé par Spieth en 2015 après son birdie du 15. Il a fait que moins 18. Dans le cours du jeu. Hein, dans le cours du jeu, ouais, pas au total. Et donc, a priori, voilà quoi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le record absolu après 54 trous, mais le record après 72, il tremble un peu dans ses guenilles, là, je crois. Alors, ce qui est quand même dingue avec Dustin Johnson, on voit qu'il a un niveau, quand même, depuis quelques années, qui est quand même fou, de se dire que finalement, il a
qu'un seul majeur en poche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'autant plus à Augusta, parce que c'est quand même quelqu'un qui cumule les très 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 bonnes places au Masters. J'ai fait mes devoirs. Hein. Attention les gars, vous balancez une rafale de chiffres dans la tronche, ça va vous faire bizarre. Vas-y, monsieur Stat, on t'écoute. Bah, il fait 4 top 10 consécutifs à Augusta sur ses 4 dernières apparitions. Ouais, il était deuxième l'année dernière en plus. Il a fait deuxième l'an dernier, exactement. Il fait dixième en 2018, quatrième en 2016, sixième en 2015. Il n'avait pas joué en 2017 parce qu'il s'était gaufré dans les escaliers, selon la version officielle. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est à l'aise à Augusta. Et c'est vraiment étonnant qu'il ne se soit pas imposé plus souvent sur ce majeur-là en particulier. Quoi. Alors, Greg, on a une question de Mathieu Droulet qui nous dit « Cette année, les mauvais coups ne sont pas beaucoup pénalisés et les moyens, presque pas, alors que d'habitude, ça ne pardonne pas. » C'est sûr que les conditions sont différentes. Les conditions sont bien sûr différentes. D'ailleurs, on entend souvent les commentateurs dire « Celle-là, au mois d'avril, elle était dans l'eau. » Celle-là au mois d'avril, elle revenait 20 plus court. Celle-là au mois d'avril, elle était derrière, morte. Bon, c'est vrai, c'est sûr. Ce master. Ah, Greg, on t'entend pas très très bien, ça a coupé. On va récupérer Greg d'ici peu de temps. Non, mais c'est vrai, pour rebondir sur ces histoires de... Rebondis, Martin. Ouais, j'aime bien rebondir, tu me connais, je suis un bonhomme rebondissant. Mais c'est vrai que cette notion de les shots un peu moyens ou qui d'habitude ne pardonnent pas, tu les retrouves morts, quoi. Enfin, tu les retrouves pas morts. Ah, on a retrouvé Greg. Greg, ça avait coupé. Est-ce que tu peux reprendre ta tirade? Tu t'étais transformé en petit robot. Oh mince, bah écoute, je suis désolé. Non, oui, bah c'est sûr que le fait que ça se joue dans des conditions différentes facilite probablement, en tout cas, pénalise beaucoup moins les ratés qu'on peut voir. C'est vrai que certaines balles qui devraient aller à l'eau, qui ont des mauvais rebonds, sont moins pénalisées. Et ça, c'est vrai qu'on note une grosse différence. Et c'est pour ça aussi probablement que le scoring est bien meilleur. On avait eu un cut dans le par qui a failli être moins 1 d'ailleurs. Alors que d'habitude, ces dernières années, c'était plutôt plus 2, plus 3, voire plus 4. Il n'y a pas de vent aussi cette année. Bon, voilà, c'est clairement pas du tout un master classique. Ça ne se joue pas comme d'habitude. C'est normal, on est au mois de novembre. C'est une année un peu spéciale. Je pense que 2020, vraiment pour beaucoup de raisons, on s'en souviendra. Mais bon, il y aura malgré tout quelques coups qui resteront dans les annales. Et DJ, pour l'instant, à créer la différence. Et les autres louent quand même pas mal de coups, mais sont en contact, je trouve, malgré tout. Alors, n'oubliez pas, on va vous faire gagner un petit cadeau, hein, ce petit marque-balle à la fin de l'émission. Donc, restez en ligne. Donc, on le disait, un Masters qui, malgré tout, est quand même assez excitant. Donc, on l'a dit, un DJ qui est pour l'instant seul en tête à moins 16. Mais derrière, ce qui est marrant de voir, c'est qu'on a trois joueurs pour l'instant qui sont à moins 12, et trois joueurs, on va pas dire inconnus, mais trois joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en haut des leaderboards en majeur. Il y a Im, évidemment, il y a Abraham Anser, il y a Cameron Smith. Un petit mot peut-être, Greg, sur un de ces trois joueurs que tu connais pas du tout. Que je connais pas du tout. moi, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Alors, c'est sûr que Im, on le connaît quand même un peu, parce qu'il a gagné le Honda, je crois, cette année. Ouais, et puis il était surtout rookie de l'année, ouais. Donc c'est un jeune joueur sud-coréen. Mmh. Il a que 22 ans, mine de rien. Donc c'est se retrouver pour son premier Masters, parce que voilà, c'est le premier pour lui dans cette position-là. Ouais. Et puis il joue fantastique. Enfin, je veux dire, il joue très très bien, et puis ça joue propre, quoi. Ouais, de ce que j'ai vu à la télé, effectivement, c'est celui qui, pour moi, comme ça, je trouve, aura peut-être le plus à faire demain. Et en tout cas, il a une bonne chance, vu son jeu aujourd'hui, de peut-être d'aller chercher Dustin Johnson, parce qu'il a fait très peu d'erreurs. Il a très très bien joué, il a été très régulier. Lorsqu'il était un peu en danger, il a fait des très bons putts, des très bons chips. Donc, je trouve qu'il a fait une partie extrêmement solide. Et pour moi, c'est le deuxième joueur que je retiens aujourd'hui. Cameron Smith a très bien fini sa partie hier, a très bien fini sa partie aujourd'hui. Donc,
J'ai l'impression que mentalement, il va aborder cette dernière journée en se disant que c'est peut-être justement sa semaine et sa journée grâce à la tournure des choses. Et le dernier, je trouve qu'il a fait 3 jours extrêmement réguliers, extrêmement solides. Il est peut-être un peu moins puissant, un peu moins impressionnant, mais bon, il est aussi dans le coup. Mais je le mettrai un petit peu derrière les deux premiers, malgré tout. Oui, ce swing de him un peu, on va dire un peu particulier, où il est très très lent au début. C'est qu'est-ce que tu peux en dire de ça, Greg, toi? On voit assez souvent des Coréens et des Asiatiques qui ont ce style de montée très même, lent, même, très, même très Matsuyama lentement qui contre. s'arrête un peu tout en haut, quoi. Matsuyama, bien sûr, par exemple, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez régulièrement et qui rentre de plus en plus dans les mœurs, on le voit c'est vrai, de plus en plus. Et bon, là, c'est évidemment flagrant. Hein, mais bon, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est vraiment une marque de fabrique coréenne, asiatique. Alors, je ne sais pas s'ils ont une manière d'apprendre le golf de cette manière, en s'y prenant comme ça. Mais on retrouve souvent ça chez les joueurs coréens. Ouais. Moi, j'ai l'impression de voir une sorte de Bernard Langeur asiatique. Non mais le gars il rate pas une mise en jeu, il rate pas un fairway, il rate pas un green, ou s'il rate un green il chip king ping caisse comme ce chip du 11, mais qui est juste mais hallucinant, parce que à cette position là et là à droite du green rentrer le chip, incroyable. Déjà se mettre, tu me dis si je vous dis une grosse bêtise Greg, mais dans les conditions incroyable. Du master se retrouver avec ce chip là et le mettre dans un rayon d'1m50, c'est déjà un super résultat. Le rentrer comme il le rentre avec la main en l'air et tout, genre et merci les gars. Bah dingue. Salut. On a vu Tiger qui avait un putt, lui, et qui a dépassé de 3 ou 4 mètres, je crois, et qui a loupé derrière, d'ailleurs. À cet endroit-là, de toute façon, on ne veut pas être de l'autre côté parce qu'il y a l'eau, et bien évidemment. Et puis, tout ce qui est à droite, tout ce qui est à droite, c'est très, très compliqué de réaliser un bon coup. Hein. Et pour info, vas-y, Martin. On va se demandait, après, on se demandait tout à l'heure si le record du meilleur score après 3 tours était battu ou non, en fait il est égalé, quoi. C'était déjà moins 16, les gars. D'accord. Voilà. C'était qui alors? C'est pareil. C'était Spieth aussi, je crois. Ah, ça, c'était une info de Guillaume Biojo, ça. Oui, tout à fait. Une info des gens qui nous suivent et qui nous regardent et qui vont beaucoup plus vite que nous pour taper sur des claviers et googliser des trucs qu'on n'a pas googlisé. Merci, les gars. Alors, ce qui est dingue aussi pendant ce troisième tour, on a vu un Justin Thomas qui était un peu à la bagarre avec Dustin Johnson et puis qui s'est fait complètement manger sur la fin du parcours. On a vu ses 3 bogeys au 12, 14 et 15 après une balle dans l'eau. Il a un peu craqué, Justin, à la fin. Là. Est-ce qu'il s'est un peu fait manger par le parcours ou par la pression, par la volonté de vouloir être au contact? Ce parcours, il pousse à la faute. Hein. Plus tu vas, on a eu quelque part, je trouve, un Dustin Johnson qui était en totale maîtrise, un rouleau compresseur. Alors évidemment, il a profité de son début de partie, mais derrière, ça lui a permis de pouvoir faire des parts vraiment sereinement et de temps en temps de glisser un petit birdie par-ci par-là. Donc, il a fait son moins 7, mais franchement, c'était quand même une balade assez sereine pour lui. Et les autres qui ont probablement voulu, je pense, à un moment ou autre, faire leur retard et donc prendre certains risques. Et quand on prend des risques à Augusta, lorsqu'on a des putts qu'on attaque un peu plus que d'habitude ou des lignes un petit peu plus agressives, on prend des gros risques et ça passe ou ça casse. Et c'est vrai que pour Justin Thomas, sur quelques trous au retour, c'est pas passé et ça risque de lui coûter. JP, tu me dis si je dis une grosse bêtise, mais il faudrait quand même qu'on parle d'un bonhomme qui... on a eu l'impression qu'il passait totalement à côté de son Masters pendant 18 trous. C'est un Nord-Irlandais qui s'appelle Rory. Ah oui, ça va venir. Ça va venir, on est d'accord. Si tu veux, hein, s'il n'y a pas de problème. Je sais pas. Tu as envie de parler de Rory. Je sais pas, Rory. C'est surtout qu'évidemment, on parlait de joueurs qui essayaient d'attaquer pour rattraper leur retard et que Augusta, c'est un parcours qui ne pardonne vraiment pas ce genre de... Voilà, d'agression un peu à outrance, c'est exactement ce que tu viens de dire, Greg, à juste raison. Et Rory, il a été obligé d'attaquer comme un gros bourrin après son. Et il l'a bien fait. Son plus 3 du premier tour, et il l'a plus que très bien fait parce qu'il fait moins 11 en 36 trous, le type, quoi. Et il se retrouve moins 8 après un 67 encore aujourd'hui, presque un 67 un peu, presque le pire 67 que tu pouvais imaginer, quoi. C'est,
c'est incroyable ce type, quoi. Je ne comprends pas comment on peut switcher aussi vite. Et c'est un peu la question que j'aimerais poser à Greg, c'est comment, parce qu'entre la fin de son deuxième, dans son premier tour et son le début de son tour, deuxième, ouais. Il a tapé 3 coups de fer 9, un coup de bois 3, et il passe de 75 à, je ne sais plus combien il fait, 66. Comment on fait ça? Donne-nous la recette, Greg. Bah, Rory, j'aimerais bien savoir comment on le fait. Rory, on le sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde depuis 10 ans. Il a un swing et une classe que beaucoup de monde aimerait avoir. Il est vraiment dans le sillon de ces très très grands joueurs et il est capable de réaliser des partitions parfaites. On le sait, il a souvent un stroke gain sur le grand jeu du tee au green. Qui est presque insultant pour un joueur classique. Et lorsqu'il est parti dans cette mouvance, il est quasiment inarrêtable. Peut-être que justement, son plus 3 l'a débloqué. Peut-être que s'il avait juste même fait un par à moins 1, moins 2, il n'aurait peut-être pas eu derrière cette liberté. Peut-être que ça l'a libéré, tout simplement. Et c'est vrai que son jeu a parfois, je pense, tendance c'est nécessaire de le libérer et de le laisser partir. Et à Augusta, bon alors attention, il y a encore un tour derrière, mais quand on a cette agressivité et qu'on joue bien, ça paye parce que on peut se ramasser, ça peut casser et ça peut vraiment aussi porter ses fruits. Et Rory en est un très bon exemple. Il fait vraiment de très très belles journées. On n'est pas à l'abri d'un super départ demain et de tout à coup penser que Rory va peut-être le faire. Alors, il part de loin, mais on ne sait jamais avec un départ moyen de Dustin Johnson, parce qu'on parle du record absolu de moins 18. Dustin peut le battre. Les autres, je ne pense pas qu'ils vont arriver à ce record. Donc, ça ne tient qu'à Justin d'aller chercher ce record. En tout cas, Dustin. Évidemment, sauf Dustin, oui. Sauf si évidemment il y a un score incroyable demain, ce qui est bien sûr possible, notamment dans ces conditions. Mais tout partira de Dustin Johnson demain matin, enfin demain dans son début de partie. Et puis si jamais il part pas bien, peut-être qu'il donnera confiance aux autres et notamment à Rory pour être hyper agressif. Et vu comme il joue là depuis deux jours, ça peut donner quelque chose d'assez explosif. Ouais. Bon, alors après, il a quand même dit, après son troisième tour, qu'il, lui, pensait, pour l'instant, il ne pensait pas du tout à la victoire, mais bon, on peut le comprendre, c'est bien normal. C'est... Oui, non, mais il est quand même loin en score. Hein. Je le vois pas aller au bout de ce tournoi, mais on ne sait jamais. On a vu des retournements de situation dingues. Je pense que... Il est à 8 coups, hein. Il est qu'à 8 coups. Il a seulement 8 coups. Il a seulement 8 coups, et 8 coups, c'est la plus grosse marge rattrapée par un... vainqueur, surtout, et c'était en 1956. Hein. C'était un petit bout de temps. Ah oui, t'es allé loin là. Jack Burke Jr., messieurs, dames. Eh ouais, j'ai fait mes devoirs. Non, mais surtout ce début de parcours, le 1 et le 4 sont des trous pas faciles. Le 2, le 3 sont des trous où il va se passer des choses, des eagles probablement, surtout avec ce drapeau fond à droite. Où la balle peut vraiment, après un super deuxième coup, être tout près, le 3 également, et bah, voilà, un bogey par bogey contre un par birdie par, bah, déjà tu as fait la moitié de tes 8 points et il te reste 14 trous. C'est possible, tout va vraiment, tout. Je pense qu'il y a une grosse partie de ce Masters qui va se jouer dans ces 4 premiers trous demain. Alors, je voudrais également, messieurs, qu'on parle de cette mésaventure de Yon Ram au trou numéro 8. On a tous vu hein, cet enchaînement avec cette balle topée qui va dans les arbres, son troisième coup qui rebondit sur un arbre, sur un tronc. Pour être franc avec vous, je me suis un peu reconnu là dans ce. À toi aussi. dans cette mésaventure. Ouais. Dans laquelle, dans les arbres ou dans le top? Moi, les deux. Les deux. Non, mais je voulais justement poser la question à Greg. Comment ça peut arriver ce genre de choses? On parle quand même de joueurs de. Du numéro 2 mondial. Comment c'est possible de faire ce type de coup? Bah, ce type de coup, comment c'est possible? Quelque part, c'est rassurant pour nous les amateurs. Mais... Raté. Il avait un coup un petit peu en descente, un coup compliqué pour lui parce qu'il y avait ce green à aller chercher qui était
vraiment idéal pour un joueur de draw, d'autant plus à ce moment-là. Ces grands arbres qui sont à l'entrée du green à gauche, avec lesquels il devait vraiment flirter. Il ne voulait pas une balle qui bouge trop vers la droite, donc il s'est empêché un petit peu son coup rassurant, c'est-à-dire d'aller assurer un contact qu'un joueur de fade va avoir tendance à faire assez facilement. Il a probablement voulu prendre un peu de risque et taper un coup tout droit, voire limite en draw. Et on le sait, quand c'est un peu en descente comme ça, sur un fairway très ras, la catastrophe peut vite venir, parce que là on joue clairement avec le feu, et bon, bah, il a fait un coup évidemment très mauvais. On voit de temps en temps des coups mauvais, bien sûr, et celui-là, il l'est d'autant plus qu'il est presque vraiment extrêmement frustrant. On se sent presque honteux quand on tape un coup comme ça. La physionomie du coup était vraiment compliquée, et il a voulu, au lieu de peut-être jouer un coup sur la droite du green comme Dustin Johnson a fait d'ailleurs, malgré son très bon drive, il a fait un coup un peu court à droite et il n'a pas fait le birdie. Bon, bah, au lieu de jouer ce coup et de tenter l'approche putt, il a probablement voulu réaliser le coup absolument parfait. Et dans ces conditions, parfois, on passe à côté. C'est ce qui s'est passé. Et bon, à la limite, ce coup, il lui coûte un peu, mais c'est surtout le coup suivant qui lui coûte très cher, parce que là aussi, il prend un risque, il essaie de passer entre les arbres. Mais il ne fait pas un très bon coup, parce que j'avais l'impression que c'était quand même assez large. C'est manque de lucidité après, ou... Ça a été une catastrophe, ouais. C'est un manque de lucidité, là, de sa part, à ce moment-là, dans ce coup dans les arbres. Manque de lucidité. Je pense que Dustin lui met la pression avec ce très très bon début de partie, et que lui, il n'a pas envie de lâcher, et que si tu ne veux pas lâcher, c'est pas en assurant des coups que tu vas refaire ton retard. Donc il a voulu probablement pousser un peu, mais dans d'autres conditions. S'il avait été ex aequo avec Dustin à ce moment-là, ou avec un point de retard, il n'aurait peut-être pas pris ce risque. Donc, peut-être que Dustin l'a poussé à la faute. Toi, Greg, tu as des souvenirs de, on va dire, de, pas de gros loupés, mais de gros loupés comme ça dans ta carrière, où tu l'as dit, Ram a dû se sentir un peu honteux. Ça t'est déjà arrivé, toi, avoir Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai un souvenir dur. C'était en 2004, c'était une dernière partie avec Padraig Harrington. J'étais en tête après trois tours d'un gros tournoi, et la partie s'est très, très vite jouée au début. J'avais fait un ou deux bogeys, lui un ou deux birdies, il y avait Trevor Immelman qui jouait très bien devant, et je me suis retrouvé dans un bunker au 13. J'étais encore à peu près au contact, mais déjà un peu largué quand même, je devais être 7-8e à ce moment-là, et j'étais dans un bunker de fairway. J'ai fait un top avec un sandwich pour me retrouver hors limite derrière le green. J'ai vu que j'étais hors limite en arrivant au green, donc j'ai dû repartir dans mon bunker, la dropper, donc j'étais plugué. Je suis sorti sur le côté, bon, et là c'est, on se sent très très mal, parce que c'est l'escalade. Et c'est dur d'arriver à prendre du recul par rapport à une situation comme ça, qui est juste une situation golfique que vous devez affronter comme n'importe quelle situation. Ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à d'autres personnes, ça arrive à John Rahm, à Jordan Spieth lorsqu'il fait sa gratte et qu'il va dans l'eau au 12 il y a quelques années, et qu'il a perdu Augusta à ce moment-là. En 2016, voilà, il y a des catastrophes comme ça qui se passent. Qu'il faut arriver à gérer le mieux possible. Bon, perdre un point, ça n'aurait pas été très grave. Deux points, ça commence à coûter cher. Et il n'a pas réussi à faire son retard derrière. Et c'est ça qui montre, enfin, qui probablement va faire que John Rahm ne va pas gagner ce Masters. Ça s'est probablement joué là et sur sa réaction derrière. Ah, ce qui est bien, c'est que nous, ça nous arrive tous les week-ends, donc du coup, on peut bien s'entraîner là-dessus. Un petit mot quand même, messieurs, sur Tiger, hein, Tiger Woods, le jour le plus long, on va dire, pour lui. Hein. On savait que c'était compliqué pour lui d'enchaîner plus que 18 trous dans une journée. Là, il en a fait 27. Ouais. Son dos a souffert, il l'a dit après sa partie. C'était il a joué dans le par. Ça sera pas pour cette année pour Tiger. Il fait moins 1 sur ses 27 trous, puisqu'il fait moins 1 sur ses 9 derniers, et dans le par sur cette troisième journée. C'est quand même pas une défense de titre à 40, presque 45 ans, et tous ses problèmes de dos et tout le tralala. Et puis l'état de forme qui n'était pas ouf dingo, on ne va pas se le cacher avant ce Masters-là.
c'est quand même une belle défense de titre. Et qui sait s'il n'a pas un dernier bon tour à nous mettre sous la dent le Tiger de demain matin. Bon, alors ça va être a priori très tôt le matin, pas beaucoup d'eau, encore des conditions un peu humides, ouais. Pour son dos qui grince, ça va être compliqué. Mais bon, qui sait, t'imagines le truc, s'il commence à faire un top 10 backdoor, ça peut être assez cool, quoi. Toi, Greg, qui le connais bien, Tiger. Je connais bien. Bon, je trouve que c'est une belle défense de titre. Oui, on aurait aimé qu'il soit quelques points, qu'il fasse une meilleure journée, un meilleur 27 trous aujourd'hui, pour être un peu plus dans le coup. Bon, ça reste, il a assez peu joué ces derniers temps. Effectivement, il a ses petits soucis de dos. Il a passé une longue journée aujourd'hui. C'est pas le grand Tiger qu'on a pu connaître. Bien sûr, mais je trouve que c'était quand même une belle et agréable surprise, notamment dans ce premier tour. C'est du bon Tiger, ça fait quand même plaisir. J'espère qu'il va monter en puissance pour arriver au mois d'avril avec de meilleures armes. Mais je suis plutôt ravi de voir ce que Tiger nous a proposé. T'as vu qu'il y a une question, ouais. de Nicolas Doblin qui nous suit. Merci Nicolas. J'ai exactement la poser. Ouais. Ben voilà, on est dans la machine de guerre. Vas-y Martin. Nicolas nous demande, et donc te demande Greg, si tu penses que Tiger gagnera plus jamais le Masters, parce que en gros il dit à la télé aux USA, ils ne font que des comparaisons avec Nicklaus, mais là l'expérience n'aura pas suffi. Grande question. C'est dur d'être catégorique. Déjà ce qu'il a fait il y a 18 mois... était incroyable, mais c'est pas si loin que ça. Il a quoi, 45-46. On voit que il y a certains joueurs qui ont été très performants à Augusta pendant très longtemps, et on pense à évidemment Bernard Langer qui vient de faire le cut, à Fred Couples qui a joué très très souvent, vraiment très très bien à Augusta. On pense à Nicklaus. Bon, c'était dans une autre période. Est-ce qu'il sera dans le coup pour gagner? Est-ce qu'il gagnera? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera dans le coup? Je pense qu'il sera encore dans le coup pour gagner. Oui, je pense qu'il y aura encore des surprises Tiger Woods parce que c'est quand même un joueur absolument incroyable. On est tous d'accord là-dessus. Mais il a, je trouve, une espèce de sérénité qui s'est quand même de plus en plus installée dans son jeu, qui laisse penser que lorsque les choses vont un peu mieux tourner pour lui, qu'il va retrouver un peu son putting, je trouve qu'il prend de plus en plus, enfin vraiment beaucoup de fairway, qu'il a un jeu qui évolue. C'est plus trop le Tiger qui se lâche, qui va faire des recoveries incroyables du rough, qui va jouer au mental, qui va galvaniser les foules. Ça lui manque peut-être un petit peu, mais à côté de ça, je trouve qu'il a pris en... pas en maturité, mais j'ai l'impression qu'il devient un peu plus bulldozer, comme on a pu voir Dustin Johnson, notamment dans ce premier tour. Et s'il est capable de réaliser 4 tours comme ça, et pourquoi pas, à ce moment-là, je pense qu'il jouera encore la gagne dans plusieurs Masters, en tout cas, je l'espère. Autre chose à dire, Martin ? À part dire que je l'ai vu en 2019 gagner et que c'était il n'y a pas si longtemps, c'est pas pour dire que j'y étais, je m'en fous, mais je m'en suis toujours pas remis, hein, je vous rassure. Mais la réponse, elle est là. Enfin, je veux dire, s'il n'avait pas gagné ce Masters il n'y a même pas un an et demi, on serait tous en train de se dire oui, ça va être compliqué, machin. Mais évidemment que c'est possible. Il faut que les planètes s'alignent un peu plus que dans les années précédentes, pour plein de raisons qui s'appellent Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau et tous ces jeunes, plus ou moins jeunes joueurs qui défoncent les parcours de plus en plus. Mais ce bonhomme-là a une telle classe, une telle expérience dégueu aussi. Et surtout, Martin, le fait de l'avoir fait, ça l'a complètement libéré aussi. En plus, il n'y a plus personne, on va pas dire plus personne l'attend, mais au moins, ça, c'est fait pour lui, quoi. Qu'est-ce que t'as à prouver quand on a 15 dans la besace, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a une question de Nicolas Droulet, encore une fois, qui encore dit... ouais, fidèle, Nicklaus, c'est bien, salut Nicolas. Non, mais c'est Mathieu d'ailleurs. Mathieu, pardon. Nicklaus a toujours dit que le plus difficile est d'encaisser les voyages et décalage horaire et la pression. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est pour toi, Greg, la question. C'est pas pour toi, JP. Bah là, en ce moment... Oui, c'est sûr que... Bon, après, Tiger gère... Il joue quand même beaucoup moins de tournois que beaucoup d'autres joueurs. Ça a toujours été le cas. Hein. Il a souvent fait des saisons entre 20 et 25 tournois, là où les autres en font en général plutôt 30.
Et c'est sûr que ces voyages, ces décalages, alors les décalages horaires, bah, lui, il les vit pas trop puisqu'il reste essentiellement aux États-Unis. Donc c'est essentiellement des voyages. Oui, bah, c'est sûr que c'est pas facile. Et quand on a 46 ans comme lui, bon, bah, évidemment, les décalages, tous ces voyages, on les encaisse de moins en moins bien. Mais bon, ils ont des préparations physiques vraiment bien adaptées aujourd'hui. Ils sont au niveau de la nutrition, c'est absolument impeccable. Bon, voilà, ça ira malgré tout. Mais c'est vrai que c'est une donnée, notamment lorsqu'on vieillit, qui est de plus en plus délicate à gérer. Ouais. Allez, messieurs, je vous propose. Merci déjà, Grégory, de toutes ces informations très intéressantes. On va passer à notre petit français, à notre petit Qui français, même notre français, qui est plutôt grand plutôt d'ailleurs, grand, ouais, en plus, oui. à Victor Pérez. Victor Pérez qui a passé le cut et qui, malheureusement, aujourd'hui, un peu a marqué le pas, hein, notre français. C'est dû à quoi, ça, Greg, selon toi? C'est la Bah, fatigue, c'est dû au golf, hein. C'est dû au golf. Tout Il a simplement. fait vraiment deux super belles premières journées. Et ce qui est génial chez Victor, en tout cas, ce qui je trouve ressort de son tout début de carrière, c'est que plus l'événement est grand et plus il répond présent. Il gagne un tournoi énorme, le Denny Links. Il est quand même présent dans les WGC. Il joue bien. Il fait cette deuxième place sur le Rolex. C'était en Écosse, je crois. Et là, il fait le cut haut la main, sans stress. Bon, bah, il a passé une mauvaise journée un samedi à Augusta. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. J'entends des gens qui disaient qu'ils joueraient probablement plein d'Augusta et plein de Masters et qu'il aurait d'autres occasions de performer. Et je suis assez d'accord avec lui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement consciencieux, qui fait bien le job, qui s'applique, qui sait où il va, qui est très bien entouré. Et c'est ça qu'il faut retenir. Une mauvaise journée à Augusta, bah, évidemment, c'est le premier, j'imagine, à en être triste, mais c'est un parcours très piégeux, très compliqué. On n'a pas le droit, on n'a vraiment pas beaucoup le droit à l'erreur, même dans les conditions de cette année. Donc, je suis un peu triste pour lui. J'espère qu'il fera un bon dimanche pour qu'il ait un bon souvenir de cette édition. Et puis, encore une fois, hein, s'il fait une bonne journée, il peut finir dans les 30, 35, ce qui serait une vraie, très, très belle performance pour un premier master, s'il ne faut pas l'oublier. Et puis, encore une fois, j'imagine qu'il y en a plein, plein à venir et c'est plutôt sur ça qu'il faut se concentrer. Ouais, tu parlais justement aussi le fait qu'il soit un joueur de fade quand t'es pas dans une bonne journée et que tu joues un parcours comme Augusta, ça pardonne pas? C'est ce que je pense. Un joueur de fade et Dustin Johnson en est un, ça n'empêche pas qu'on puisse bien jouer à Augusta, pas du tout. Quand on est en forme et qu'on joue comme Dustin a joué, on prend les lignes hyper agressives, hyper limites. On va fricoter avec les arbres et prendre les lignes agressives très souvent. Et puis la balle va bien revenir, tout va bien. Mais lorsqu'on est dans une journée un peu plus délicate, bah la balle part un peu plus à gauche que prévu, ou la balle tourne un peu plus. Et avec ses fairways qui sont en général penchés de gauche à droite et ses petits doglegs, comme par exemple le 9 ou tout un tas d'autres trous, notamment le 17 ou le 14, qui sont légèrement de droite à gauche, bah quand le coup est moyen, il est assez vite puni. Et c'est là où ça va être intéressant de voir Dustin Johnson demain. Soit il continue. Comme aujourd'hui, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Mais si la machine se grippe un tout petit peu, il n'a pas besoin de très mal jouer pour commencer à trouver les petits soucis. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Victor aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. C'est un peu la sensation que j'avais quand on regardait tous les coups de Victor aujourd'hui. C'était cette impression qu'il était sur la ligne de crête de ce parcours qui s'appelle Augusta National et qui tombait à chaque fois du mauvais, super mauvais côté, mais quelque part du côté un peu compliqué qui entraînait un petit bogey par-ci avec un chip compliqué, quelques mauvais contacts ici ou là, un ou deux drives un peu moins incisifs ou moins bon, on va pas se le cacher, quand tu fais 76, c'est que quelque part, tu as quand même fait deux, trois trucs pas terriblement. Moi, c'était en particulier par rapport à cette notion de commencer au 10. Le 10, qui est un trou qu'il n'a pas du tout dans l'œil depuis le début de la semaine, puisqu'il y a concédé pour l'instant trois bogeys.
À quel point c'est compliqué de commencer au 10 à Augusta? Et je crois que Martin, si je ne me trompe pas, c'est Cazet aussi, Paul Cazet qui disait ça, le leader du premier jour, que ça lui faisait bizarre de commencer au trou numéro 10, qui pour lui était un tee shot très compliqué. Mais alors le 10 est un tee shot très compliqué, c'est un trou compliqué. Le 11, c'est, je pense, peut-être le plus dur du parcours, avec notamment cette position de drapeau diabolique. Hein. On n'a absolument aucun green pour travailler la balle, il faut jouer avec le feu. Il y a cet obstacle d'eau à gauche et ce chip de la droite qui est injouable. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment Im a rentré ce chip. C'est un truc de fou. C'est pour moi le coup de la journée, avec peut-être le coup donné de Dustin aux deux. Mais ça, parce qu'il est leader ce soir. Mais vraiment, ce chip, il est incroyable. Et puis, ce 12 un peu vicieux. Et ce 13 où il faut absolument faire un birdie, où on se sent obligé de faire le birdie, même si ça reste un par 5 et un trou difficile. Mais on est un peu acculé, et Victor a mis la balle dans l'eau, et c'est vrai que ce début de partie du 10, il est très dur. Bon, voilà, c'est comme ça, il y a la moitié du champ qui est partie du 10. Je crois qu'à une partie près ou deux parties près, Victor serait parti du 1. Est-ce que ça aurait changé sa partie? Bon, bah, il a fait 76, il n'a pas dû très bien jouer non plus, on ne va pas dire qu'il aurait claqué 68 de l'autre côté, c'est probablement pas vrai. Mais la physionomie de la partie aurait peut-être pas été la même, la dynamique différente également, et c'est sûr que ça a probablement pas joué en sa faveur. Maintenant, bah, c'est comme ça, il y a la moitié du champ qui part du 10 et il faut faire avec. Mais c'est vrai que c'est un départ compliqué, ouais. Justement, quand on a fait un troisième tour comme ça, assez compliqué, qu'est-ce qu'on se dit, pour se donner. Évidemment, je pense que quand on joue le Masters et quand on joue un quatrième tour de Masters, il n'y a pas besoin de se motiver, mais on se donne quoi comme objectif quand on est. Déjà, le tout début, c'est d'essayer de ne plus penser à cette partie et de ne pas trop réagir à chaud, de ne pas aller passer des heures au practice ou au putting green pour perdre de l'énergie. Et c'est important d'aller s'entraîner, bien sûr, mais il faut que ça soit constructif, il faut que ça soit objectif, il faut que ça soit réfléchi. Si c'est une réaction, c'est pas forcément bon. On a vu, par exemple, McIlroy qui a tapé quelques coups de fer neuf, quelques coups de bois trois, qui est parti et qui, derrière, le lendemain et le surlendemain, a fait deux parties exceptionnelles. Donc, c'est pas forcément intrinsèquement un problème technique, forcément à régler, un problème de vitesse sur les greens, forcément à régler également. Il ne faut pas réagir à chaud, laisser passer la tempête, simplement comprendre que ce n'est pas une faute, pas un mauvais jeu. C'est dur de jouer un samedi à Augusta pour une première fois, et que ce n'est pas le problème, le premier à se planter, que ce n'est pas le dernier encore une fois. Ingurgiter tout ça et repartir sur un objectif réalisable, déjà un objectif de plaisir, de faire des bons coups et de profiter d'un dimanche à Augusta, c'est quand même extrêmement rare et extrêmement exceptionnel. Et puis, encore une fois, penser, je crois que tout le monde part du 1 demain, pour le coup. C'est pas sûr du tout. J'ai pas encore les tee times. Je regardais pendant que tu étais en train de. Je t'écoutais religieusement, évidemment, tu te doutes bien, mais a priori, c'est du 1 et du 10 demain. Pardon, en tout cas, je le souhaite pour lui. Et si c'est pas le cas, justement, essayer de prendre une revanche sur ce début de parcours et sortir grandi de cette expérience. Sortir avec un score sous le par, par exemple, serait un super objectif et serait clairement un Masters. En tout cas, pas loupé. Réussi, lui le dira, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, en tant que première expérience, s'il arrivait à faire un bon score sous le par demain, ça ferait trois journées vraiment très bonnes à Augusta, une loupée. Je pense qu'il y aurait beaucoup de positifs pour lui à ressortir de cette expérience. Alors, Greg, juste un mot sur le côté tournoi majeur. À quel point un tournoi majeur comme ça, et je pense encore plus Augusta, ça pompe de l'énergie encore plus qu'un tournoi lambda. C'est, tu sors d'un tour de tournoi majeur complètement lessivé, ou surtout à Augusta, où ça peut-être demande encore plus de stratégie? Oui, les tournois majeurs en général, peut-être Augusta d'autant plus, parce qu'Augusta, on est tout le temps sur la brèche, on est tout le temps pas loin de faire une erreur, on est tout le temps en train de prendre un petit risque, on est tout le temps en train de calculer quelque chose. Donc c'est vrai que, et connaissant Victor, qui est justement déjà quelqu'un qui est très poussé dans cette manière de faire les choses, à Augusta peut-être encore plus, et c'est dur parfois de se libérer, et on arrive sur des tournois
parfois un peu inférieur dans les différents circuits, où on va avoir tendance à se dire, bon, tu sais quoi, je ferai un peu au feeling à ce moment-là, on verra bien. Et puis finalement, ton esprit se repose et puis tu arrives un petit peu plus frais en face de ce que tu as affronté. Augusta, non, tout est vachement réfléchi. Toutes les hypothèses sont pensées par rapport à tel drapeau, par rapport à tel départ, par rapport à tel vent, par rapport à telle situation. Et ça pompe énormément, énormément d'énergie. C'est vrai. Alors justement, Greg, on va passer un peu à toi. On va pas dire ton coup de gueule, mais ce qui quelque chose qui te déplaît un peu depuis le début de Masters. On t'écoute. On n'a pas un petit jingle genre tu dis ouais. Bah voilà. Le truc avec des étoiles. C'est bon là. Voilà. Moi, mon coup de gueule. Écoute, j'en aurai deux. Le premier, c'est le parcours. Écoute, qui se joue comme ça. Un peu aux fléchettes, on voit ces greens très soft, c'est pas ton Augusta, quoi. Ces rebonds qui sont pas des si mauvais rebonds que ça et tout, ça me frustre un peu. Moi, je sais que j'aime bien voir Augusta avec alors les greens en rapidité, il n'y a pas de souci, ils vont très vite, mais les rebonds, on va voir par exemple dans ce premier tour, ce drapeau à gauche au 2, les mecs aller chercher avec des fers hyper fermés, voire des bois, directement la ligne hyper agressive. Bon, ça d'habitude, on ne le voit pas. Et c'est vrai que j'aime bien voir Augusta être joué différemment dans les conditions du mois d'avril, plus sèche, plus ventée aussi, il n'y a pas de vent. J'espère qu'il y en aura un petit peu demain pour que ça donne un petit peu de piment à cette édition. Mais ça me manque un petit peu. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Et mon deuxième coup de gueule, c'est que je trouve qu'il y a un bashing de Chambaud. Que je comprends pas trop, que ce soit dans les réseaux, alors pas trop à la télévision, hein, mais je trouve qu'il y a une espèce de vendetta contre lui, sa manière de faire, sa manière de jouer au golf. Et c'est un peu mon coup de gueule parce que bah, le mec, il a juste envie d'être performant et il suit sa manière de penser, de voir, de faire les choses. Et je trouve ça génial. Après, est-ce que j'aime la beauté de la chose, etc. Bah, finalement, la question ne se pose pas, en fait. Moi, ce que je veux voir, c'est des bons scores, c'est des beaux coups, c'est quelque chose de performant. Et ce que fait de Chambaud, même s'il passe à côté de ce Masters, je crois qu'il est moins 3 après 3 tours, ce que fait de Chambaud depuis quelques mois maintenant, moi, m'intéresse beaucoup en tant que professionnel. Et quand je vois dans les réseaux du bashing sur lui, je trouve ça étonnant. Voilà. Et pour info, il jouera avec Bernard Langer demain. C'est génial. Voilà. Avec Bernard Langer et avec Charles Schwartzel. Et donc, du départ du 1 et du 10, c'est des triplettes. C'est, franchement, et du 10, si j'étais à Augusta, ça serait... La partie qui irait voir. 36 trous, direct. Je me ferais les E en premier, puis j'arriverais au 1 pour la suite des événements. Et surtout que ce qui est drôle, c'est que Langer, il a réagi au Deschambault quand il avait dit que pour lui, Augusta était un par 67, que... peut-être un petit peu arrogant vu ce qu'il a fait. Et Langer a réagi. Le problème, c'est qu'il doit être droit et rentrer les putts. Et pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais bon, pour autant, il est moins 3. Il est très frustré. On le sent très énervé. Je trouve qu'à chaque fois qu'on voit une image sur lui, il est bougon. Bon, voilà, il passe à côté de sa semaine. Ouais, il s'est pris une bonne claque quand même au premier tour. Il s'est pris une bonne claque. Et, il s'est pris une bonne claque après le premier tour, quoi. Je crois où il a dit qu'il se sentait même pas bien. Encore, il s'en sort pas mal sur son début de partie. Hein. Il aurait pu carrément louper le cut. Non, c'est sûr. Mais il pensait même avoir le Covid à un moment. Peut-être qu'il va régler les choses. Et le mois d'avril arrive bientôt. Voilà, ça serait intéressant de voir sa réaction. Et justement, tu penses que du coup, les rookies qui découvrent la Augusta en novembre, quand ils vont le redécouvrir en avril, ça va leur faire tout drôle, non? Je pense. Oui. Je pense que ça leur fera tout drôle. Ouais, non, mais c'est un parcours qui se jouera probablement pas de la même manière. Ouais, non, c'est sûr que ça va être intéressant d'ailleurs. Ça va être super intéressant à 4-5 mois d'écart de voir deux tournois qui, à mon sens, seront différents. Ouais. Et ton coup de cœur, alors, si tu en as un Coup de cœur, c'est Bernard Langer. C'est génial. Le mec, il a 63 balais. Il va te faire le cut, mais finger in the nose. Il joue avec Deschambault demain. C'est juste pour l'histoire, c'est génial.
on va voir des cannes, enfin des différences incroyables. Et ça, je pense que c'est quelque chose de passionnant. Et d'autant plus en tant que, voilà, en tant que pro golfeur, amoureux de ce sport, de voir que le golf peut être joué d'autant de manières, c'est génial. C'est génial. Donc, ouais, mon coup de cœur, c'est lui. Et puis, c'est la preuve, bon, s'il fallait des preuves, mais que le sérieux, l'application, la stratégie, la santé, le bien-être, et puis cette application qu'il a tout le temps d'arriver 3 heures avant son départ, de faire ses 40 minutes d'échauffement, de s'entraîner toujours de la même manière, etc. Cette rigueur qu'il a depuis maintenant plus de 20 ans, c'est exceptionnel et ça en fait un joueur absolument unique dans l'histoire de notre sport. Et c'est génial qu'il ait tapé ce record de faire le cut à Augusta, la personne la plus âgée qui ait fait le cut à Augusta et donc Bernard Langer. Ça sera peut-être Tiger Woods dans quelques années, en tout cas on a le temps, mais ce record va tenir un paquet d'années. Ouais. T'as déjà joué avec lui, avec Bernard Langer? Ouais, j'ai joué avec lui au tout début de ma carrière sur le Tour européen. Voilà, j'ai souvenir de quelqu'un qui ressemble à ce qu'il a à la télé, c'est-à-dire très, très sérieux, très appliqué, il ne parle pas beaucoup, mais il est sympa. Enfin, moi, j'ai de bons souvenirs avec lui. C'était il y a longtemps maintenant. Martin, je crois même que toi, tu l'avais eu en interview, ouais, pour le journal du golf. C'est marrant parce que c'était la même impression qu'il m'avait fait. Je l'avais rencontré en Italie, un truc complètement ahurissant par son sponsor de voiture à étoiles de chez Chut Chut, pas de marque. Tu l'avais fait en allemand, du coup. Ah, ja, bien sûr. Et j'avais été étonné par le côté très ouvert, en fait, qu'il a ce joueur. On l'imagine très sombre, très... très... Il n'y a rien qui dépasse, en fait. Non, il est plutôt marrant, en plus. J'ai trouvé plutôt agréable, plutôt marrant, plutôt sympa, très ouvert à la discussion, sur des points de vue différents. Moi, c'est assez rare, les entretiens, où on rigole de dingue. On n'avait pas rigolé, on ne s'était pas tapé la cloche non plus. Mais c'était pas désagréable, c'était plutôt même très, très cool pour un joueur qu'on imagine aussi austère que ça. Et c'est assez chouette de le voir encore performer à ce point-là. Lui qui est l'un des meilleurs joueurs de fer du monde, de tous les temps, de l'histoire, de l'univers, je ne sais pas. Mais c'est chouette de le voir encore performer, je suis d'accord avec Greg. Allez, avant de passer à l'instant gagnant, on rappelle, on vous fait gagner... Attention, jingle. Ce magnifique marqueur Augusta, From Augusta. Et attends, avant de faire l'instant gagnant, je veux juste dire que les départs, c'est à partir de 13h50, heure de chez nous demain, donc 7h50. Donc du 1 et du 10, en partie de 3 encore, parce qu'on a vraiment envie de terminer. Que Victor Pérez, attends, je l'ai perdu, évidemment, il joue à 15h07 chez nous, et il joue avec Matthew Fitzpatrick et Zach Johnson, donc quand même une chouette partie pour lui, et il démarre encore du 10, il aura fait toute sa semaine du 10, il sera content, et puis les leaders s'élancent à 15h29, donc évidemment, bah, du 1, on a un groupe Im Hanser et Dustin Johnson, voilà. Alors, et juste avant de passer à cet instant gagnant, on passe, on va dire, à l'anecdote de Greg sur Augusta. Fais-nous rêver, Grégory, peut-être quelque chose que tu n'as jamais révélé, qui t'est arrivé là-bas. Tu es resté coincé dans les toilettes d'Augusta, raconte-nous. Ou ton souvenir, ton meilleur souvenir là-bas. Non, meilleur souvenir, il y a quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup à Augusta et qui est exceptionnel, qui est peut-être la chose là. Enfin, c'est le practice. Toute la zone de practice, de chipping, tout ce qu'ils ont construit, parce qu'avant il y avait un vieux practice qui est condamné aujourd'hui. Ils ont racheté, tout un tas de maisons qu'ils ont rasées pour agrandir le golf et donc construire un nouveau practice. Et ce practice, bah, c'est une beauté absolue. Alors on ne le voit pas évidemment trop à la télé. On voit depuis quelques années les par 3 qui sont absolument exceptionnels. Mais ça, on commence à en prendre conscience. Mais c'est vrai que toute cette zone d'entraînement, je pense qu'on pourrait y passer des heures et des heures et des jours et des jours. Oh, moi, perso, j'y passerai ma vie, hein, perso. Mais tu fais ce que tu veux. C'est dingue. En plus, tu as déjà eu la chance d'y aller, toi. Ouais. Des arbres immenses, des 3-4 chipping greens sur la gauche, des putting greens. Bon, voilà. Je voulais juste en parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est normal, hein, on va sur le parcours et on voit ce qui se passe là-bas. Mais tout ce qui est entraînement à Augusta, avant, il y avait un vieux practice, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Donc, si jamais
Ceux qui nous écoutent ont la chance d'aller là-bas, un de ces quatre, qu'ils aillent vraiment du côté du practice, c'est assez fou. Allez, juste avant l'instant gagnant, on a une remarque de Yannick qui dit « Bon, tournoi assez quelconque finalement, en novembre, non. Green irrégulier, vitesse moyenne, collier de green très moyen, pas de public, on entend la route. » Voilà, qu'est-ce que… Alors, je crois qu'on entend la route, mais on entend aussi le système d'aération des greens. Ouais, c'est possible. Voilà. Possible. Ouais, la route, c'est vrai qu'il y a, bon, bah, il y a pas de public. Bon, bah, ça, on a bien compris. Hein. C'est vrai qu'à l'image, on voit des côtés un petit peu marrons sur les greens. On voit cette herbe un peu irrégulière qu'on n'a pas l'habitude de voir à Augusta. Et c'est vrai qu'on aime bien regarder Augusta parce que c'est un parcours tellement léché, tellement manucuré que c'est visuellement incroyable. C'est moins incroyable cette année, c'est vrai. Maintenant, c'est quand même génial de pouvoir jouer ce tournoi majeur cette année. Il n'y a pas de British Open. Ça aurait été frustrant, je trouve, de ne pas avoir de Masters. Donc, ça se joue, c'est déjà très bien. Mais c'est peut-être effectivement visuellement un peu moins bien que d'habitude. Allez, vous l'attendez tous, cet instant gagnant. Je vous remontre ce qu'il a gagné. Allez, petit budget, les gars, désolé. Un fabuleux. Bah, attends, petit budget, ça vient de là-bas. Hein, ça vient de là-bas. Je parle pas du cadeau. Je parle du. Attends, ça vient de là-bas, c'est encore sous blister. Et ça vient vraiment de là-bas. Et je crois que c'est toi qui l'as ramené ou c'est. Ouais, c'est toi qui l'as ramené. C'est moi qui l'ai ramené. Ouais. Par contre, celui de demain, c'est moi qui l'ai ramené. Alors demain, en plus, restez pour demain aussi parce que ça envoie du steak. Le jingle, non, mais le cadeau, oui. Et je, alors, je la question, laquelle est-elle? Alors, je vais vous préciser la question. Il faut bien mettre sur le live « Je participe » et la réponse. Ouais. Donc, s'il n'y a Martin, pas les deux trucs, ça ne compte pas. Donc, ça ne compte pas. Et donc, on va dire que c'est le premier qui répond à gagner. Ou la première. Ou la première. Martin, je te laisse poser la question. La question, laquelle est-elle? Grégory Avray a joué le Masters donc en 2011. Quels étaient ses scores? Malheureusement, il n'y en a que deux, mais il y a eu deux scores quand même. C'est pas sympa. Bon, j'ai dit malheureusement, je suis désolé. De mon score au retour le vendredi, ça va. le premier était plutôt pas mal. Donc là, tout le monde est en train de chercher. Donc tout le monde est en train de chercher. Pendant ce temps-là, on met une petite musique d'ascenseur pendant les 5 prochaines minutes. Dépêchez-vous. Pendant ce temps, Martin, on va faire les petits pronostics. Ah, bah, évidemment qu'on va faire les petits pronostics, mais c'est pas moi qui vais commencer parce que je suis nul pourri à ça. Donc je vais On va laisser Grégory. C'est le chef qui va faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez en pronostic? Celui qui va perdre en douille. Non, mais bon, tu veux un score, tu veux le top 3, tu veux quoi? Dis-moi. Moi, j'aurais tendance à te dire déjà le score du vainqueur et le vainqueur. Ça peut être pas mal. Ok, score du vainqueur. je vais. Attends, je vais peut-être pas prendre beaucoup de risques. je vais prendre Tiger Woods. Ouais, je te mettrai un Dustin à moins. Allez, je dis que demain, il va faire moins 2. Donc, ça ferait moins 18 total. Ouais. Donc, il battrait même pas le record, quoi. Hop, non. Attention. Je crois qu'on a la bonne réponse. Je crois que c'est Damien Dedieu. Exactement. 70-79, c'est ça, Greg? Oui, c'est ça. Et ben voilà. Ben, Damien, donc, très joli premier score. On parlera pas du deuxième, c'est pas grave. Et ouais, et tu sais que j'étais pas mal à l'aller le lendemain, hein, mais c'est le retour, j'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Grégory? C'est des choses qui arrivent. Ah oui, donc voilà. Donc voilà, Damien, tu gagnes ce magnifique marque. Marque ta balle que tu mets sur ta casquette, c'est trop cool. Voilà. Donc évidemment, tu envoies un message en message privé et puis tu donneras ton adresse et on t'enverra tout ça. Et on te tutoie, même si on ne te connaît pas. Exactement. Exactement. Parce que tu es chez nous. Tu es chez nous et c'est comme ça. Et qu'il est minuit et que maintenant, on se tutoie tous. Allez, une bonne bière et on est parti. Voilà. Voilà, Martin. Et donc, Martin, on revient sur ce pronostic. Donc, Dustin Johnson. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, je mettrais Dustin, mais je le mettrais carrément à moins 20. Genre, il défonce tout. Et il défonce le record et il gagne le tournoi. Alors, moi, je vais regarder Leaderboard. Non, genre, tu ne le connais pas. Alors, il y a Jean-Philippe Rodenburger en troisième position à moins 12. Non, mais je vais faire des tops. Non, mais je dirais Dustin Johnson. Bon, on est très originaux, là.
T'as pas envie de dire. Non, Dustin Johnson, mais moi, je vois pas. Moi, je pense que Dustin Johnson en moins 18, ça peut être pas mal, quoi. Genre. Deux bonhommes, c'est trop facile. Il faut qu'il y ait une différence, là. Sinon, on se mouille pas. Ouais, mais bon. En même temps, c'est la réalité, quoi. On va pas dire Rory McIlroy. Et pourquoi pas ? Imagine, il t'envoie moins 10 demain. Genre, merci, à bientôt, les amis. Tu sais pas. Bon, bref. Donc, tout le monde a noté. On est d'accord. C'est moi qui aurais raison, évidemment, ouais. Parce que je suis le plus nul en joker, je mets him quand même. Ok, bah, c'est ton choix. T'as le droit. Moi, il me laisse. Joker, je mets him. Il me laisse de marbre, moi. Bon, allez, messieurs, je vous propose de clôturer cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce Facebook Live. On se retrouve évidemment demain après, à la fin du dernier tour, pour débriefer ensemble cette dernière partie. Avec toi encore, Greg, tu seras là ? Un peu, mon neveu. Super, merci à toi, Martin. De rien, merci à tout le monde de nous avoir suivis, parce que vous étiez plus de 100, 110 à un moment, et ça, c'est cool à cette heure-là tardive. Ça prouve que, bah, comme d'hab, il y a la communauté qui répond présent. Donc, merci à vous, c'est cool. Merci. Et en tout cas, on vous retrouve tous demain, donc après le dernier tour. Salut. Bye bye. Ciao.